Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Iris Mittener, ce moment très intense qui a failli lui faire rater sa première au paradis latin. Hier soir, c'était la grande première d'Iris Mittener dans le nouveau spectacle de Kamel Wally, l'oiseau paradis, au cabaret du paradis latin. Sur Instagram, Miss Univers 2016 est revenue sur cette soirée riche en émotions durant laquelle elle a failli craquer. Pas si facile de se transformer en meneuse de revue du paradis latin pour Iris Mittener. Jeudi 2 mai, c'était la première de l'Oiseau Paradis. Le nouveau spectacle de Kamel Wally était très attendu à cause de la présence sur scène de l'ancienne Miss Univers. Malgré une promotion houleuse et des affiches vandalisées dans le métro parisien, la soirée s'est déroulée presque sans accroc. Mais pour assurer son rôle, Iris Mittener a dû travailler d'arrache-pied. Hier, elle n'a ainsi pas eu de temps pour elle, comme elle le révèle ce vendredi 3 mai dans sa story Instagram, c'était le stress et la précipitation. Dans l'ensemble, l'ancienne Miss France est plutôt satisfaite de sa prestation malgré des petits loupés, des petits trucs qui n'ont pas été mais dans l'ensemble on l'a fait donc on est content. Il faut dire que pour la magnifique brune, c'était le résultat de 2 mois de travail très intense. Car en plus de montrer son anatomie parfaite dans des costumes flamboyants, Iris Mittener chante sur scène, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, c'était un peu difficile au début avec le stress, les premiers mots chantés, ce n'était pas évident car c'était la première fois que je chantais devant autant de personnes. Mais le moment le plus dur de la soirée a été pour Iris Mittener de découvrir l'effet qu'elle faisait à une personne chère à son cœur dans le public, puis je suis passée à côté de ma maman qui était en pleurs, qui était hyper émue de me voir comme ça sur scène, du coup, j'étais aussi très, très, émue. Déstabilisée, la finaliste de Danse avec les Stars 9 a eu du mal à continuer le spectacle comme si de rien n'était, ça c'est un petit peu ressenti mais ça fait partie des moments magiques. Des moments magiques, Iris Mittener s'attend à en revivre beaucoup et ce, dès ce soir, malgré un gros rhume, qui ne l'empêchera pas d'assurer sur scène.